J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur. Et pourtant, j'attends. Madame, je vous dis qu'il est inutile d'insister. Mais je ne partirai pas sans l'avoir vu. Mais vous n'aviez pas rendez-vous. Alors c'est exact, mais ce n'est pas pour une consultation. De toute façon, madame n'est pas ici. Et moi, je pense le contraire. Oui, je sais qu'elle est ici. Qu'en savez-vous? Vous n'êtes pas voyante? C'est tout comme je suis médium. Vous êtes médium? Oui. C'est-à-dire que vous voyez... À travers les murs? Non. Non, mais bien sûr que non. Mais je sais que madame de Boyer est ici. Prouvez-moi que vous êtes un véritable médium et je verrai ce que je peux faire pour vous. Vous êtes une fausse sceptique ou c'est un vrai chantage? Vous devriez le savoir puisque vous êtes médium. Ah non, mais il faut que je sois en condition. Il me faut un support. Une boule de cristal? Alors habituellement, j'utilise mon tarot. Et avec du café? Vous me prenez pour une bête de foire? Je ne suis pas ici pour vous. Oh, allez, ne soyez pas chiche. Une petite prédiction à l'œil. J'ai besoin des deux pour lire dans le marc. Bon, allez, finissons-en. Je vais chercher une tasse. Oui. Il est sucré? Non. Alors apportez-moi une dizaine de morceaux. Voilà. Mais qu'allez-vous faire avec tous ces morceaux de sucre? J'ai des colibris dans mon jardin et je leur prépare du nectar avec. Et puis, je suis une voyante extra-glucide. C'est la première fois que je rencontre une voyante qui a de l'humour. Pourquoi? Vous en avez déjà rencontré beaucoup? Non, l'avenir me fait peur, non. J'ai trop peur de consulter. Ah, mais faudrait savoir. Ah, non, mais là, oui, je peux savoir. Il y a longtemps que le café est dans cette tasse? Il est de ce matin. Et comme je le fais serrer, le marc a eu le temps de descendre. Finissez de boire ce qui est en surface. Je déteste le café froid. Maintenant, enfoncez votre pouce gauche dans le marc. Ah non, l'autre gauche. La tasse, s'il vous plaît. Je vois que vous n'êtes pas très téméraire, en général. Ah ben évidemment, c'est facile, je viens de vous dire que j'avais peur de tout. Mais vous avez du caractère. Je vois aussi une vie de solitude. Oui. À commencer par votre mère, qui a été veuve très tôt. Comme beaucoup de femmes durant la Grande Guerre. Vous n'avez pas connu votre père? En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Ah, ben non. Non, vous n'avez pas connu votre père. Je vois une séparation. Une douloureuse séparation. Un homme que vous avez connu il y a longtemps. Il semblerait que ce soit le seul homme de votre vie d'ailleurs. Il vous a proposé de vous épouser, mais à l'époque vous ne vouliez pas. Vous ne vous sentiez pas prête et la situation était périlleuse. Vous aviez l'impression qu'on vous passait la corde au cou. Non, je t'ai plus. Quand vous aurez terminé, j'irai chercher une corde pour me pendre. En parlant de cou, je vois un collier. Ah,
on va vous offrir... Non, non, non. On va vous donner un collier de perles. Et je le vois nettement entre vos mains. Ah, il semblerait qu'il ait un problème de fermoir avec ce collier. On ne veut pas qu'on m'offre un bijou, il y a un problème. Louise! C'est madame. Ah, je savais qu'elle était ici. Louise! Madame! Madame! Madame, le fait que nous ayons cassé toutes trois madames ne peut être considéré comme une présentation acceptable. Oui, oui, vous avez raison, madame. Je suis Natasha Petruiska. Je suis médium et je viens vous retrouver parce que je pense que vous allez avoir besoin de mes services très bientôt. Médium, oui. Elle a dit médium. On voulait dire que vous êtes une de ces diseuses de bonne aventure. Votre intonation laisse présager un grand scepticisme de votre part. J'ai la prétention d'avoir de l'instruction, madame, et c'est exact. Je ne crois absolument pas à toutes ces sornettes. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Pourtant, madame, ce n'est pas le hasard qui m'a menée jusque chez vous. Je pense bien. Il y a surtout l'appât du gain. Détrompez-vous. J'ai un véritable don de voyance. Et ce n'est pas chose facile à vivre au quotidien. Il commande aussi à faire don de soi. Oui, au début, certainement. Et puis, vous allez me demander de l'argent, pour m'en dire plus. Avouez, c'est une routine bien rodée, non? Pourtant, madame, rien ne laissait présager ce matin que votre nom soit inscrit sur mon carnet et de ma propre main. Non, en effet, nous ne nous connaissons pas, mais comment l'expliquez-vous? Je ne sais pas. Je me souviens m'être cogné la tête. Et une fois revenue de mon évanouissement, je tenais un crayon et mon journal. Alors, je n'étais pas encore entièrement lucide, mais restant extra-lucide en toutes circonstances, je m'aperçus que j'y avais griffonné un H suivi de deux boyers. Et j'ai ensuite cherché votre adresse sur le Bottin. Mondain. Pardon? Vous avez recherché mon adresse dans le Bottin Mondain? Oui. Et pourquoi ne pas l'avoir recherché dans l'annuaire, tout simplement? Parce qu'il me semblait que j'y trouverais plus facilement un nom à particules. Oui, ou une famille fortunée à plumer. Non, madame, je vous assure... Madame, raison là, je vous prie, je reçois ce soir et je n'ai plus de temps à vous consacrer. Madame, je ne vous demande rien. Madame, mais je ne vous demande rien non plus. Je ne suis pas intéressée par vos services. En revanche, je vais vous demander de bien vouloir quitter ma maison, la courtoisie à limite. Oui, mais vous vous trompez sur mes intentions. C'est possible. Je ne suis pas voyante. Bien. Bien, je n'insiste pas. Ah, ce serait sage, en effet. Oh, je vous laisse tout de même ma carte. Oh, vous insistez quand même un peu. Vous risqueriez d'en avoir besoin. L'avenir nous le dira. Louise, accompagnez madame. Bien, madame. N'hésitez pas. N'insistez pas! Mais qu'est-ce qui vous a pris, Louise, de faire entrer ce médium ici? Médium, il faut le dire vite, hein! Moi, je la trouve plutôt elle, voire XL! Non, mais elle a foncé sur moi comme un bulldozer! Je suis gouvernante, moi, pas garde du corps! Ben, c'est justement de ma gouvernante dont j'ai besoin. Madame, vous avez passé une heure à me coiffer et vous disparaissez! Tenez, j'ai des problèmes. Votre collier? Ben ça alors? Bah oui, avec mon fermoir. Oh, ben ça alors? Le collier de perles? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien. Bon, ben dépêchez-vous. Nos invités ne vont pas tarder. Vous avez vu monsieur? Ça fait 2 heures que je cherche. Ça fait 2 heures que madame cherche beaucoup de monde. Bah, vous croyez drôle? Bon, alors? Vous y arrivez? Mais ne vous impatientez pas, vous bougez le cou. Oui, mais quand je bouge, excusez-moi, je bouge tout, même le cou. Eh bien, ne bougez plus du tout. Bah, vous savez de ces réflexions? Oh, mais c'est le fermoir, madame, il faut absolument me changer. Oh, c'est vous que je vais changer. Là, voilà. Merci. Et pour monsieur? Eh bien, il est parti après que le téléphone a sonné, me semble-t-il. Et depuis, plus rien. En tout cas, je ne l'ai pas vu revenir. Vous allez voir qu'il va être en retard et qu'il va encore me gâcher la soirée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà préparé son smoking. Toutes ses affaires sont prêtes.
Tant mieux. Non, mais dites-moi, qu'avait-il de si important à faire? Une soirée comme celle-ci, avec tous ces manifestants dans les rues. Monsieur a peut-être été manifesté. Oh, au profit de Paris qu'une simple connaissance. Vous voyez, monsieur, qui s'engagerait dans la rue contre le limogeage de Jean Chiappe? Bon, il paraît qu'il y a plein de députés qui défilent. Oui, ben, souhaitons que pour une fois, cela serve à quelque chose. Madame fait de la politique. Et pourquoi pas? Nous aussi, nous sommes capables d'avoir une opinion. Je n'y connais rien. C'est parce que vous manquez d'instruction, pas d'intelligence. Je dois certainement manquer de quelque chose, oui, parce que là, je ne sais même pas si c'est un compliment que vous me faites. C'est pour cela que les femmes doivent s'instruire, Louise. Et vous verrez, un jour, nous aussi, nous aurons le droit de voter. Je ne vois pas bien ce que je pourrais en faire, moi, de ce droit. Et quant à faire une bêtise, je préfère en laisser la responsabilité aux hommes. Voyez où cela nous a menés. Mais nous avons d'autres atouts. Madame le sait bien. Vous avez suffisamment d'expérience. Oh, quoi? Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas née de la dernière pluie. Vous savez vous y prendre avec monsieur. Vous avez de l'influence. Oui, il m'arrive parfois, oui, de faire pencher la balance. Parfois? Mais tout le temps? Vous exagérez. Ah ben non, je sais ce que je vois. Depuis le temps que vous pensez. Tantôt câline, tantôt exigeante. Non, il n'y a pas à dire. Vous avez appris à attraper le serpent par la queue sans vous faire mordre. Non mais dispensez-moi de ce genre d'allusion. Mais ce n'est pas une allusion, c'est un dicton populaire. Mais tout ce qui est populaire est vulgaire. Pas le bon sens. Est-ce que vous croyez que c'est faire preuve de bon sens que de croire aux élucubrations de soi-disant voyants qui profitent de la détresse humaine? Bon, cette femme avait peut-être quelque chose d'important à vous dire. Oh, ma pauvre fille. Je peux vous dire que c'était une fausse voyante, mais une vraie arnaqueuse. Et puis on m'a lassé, hein. Je suis déjà suffisamment contrariée comme ça, n'en rajoutez pas une couche. Oh, que fait-il? Vous avez vu l'heure? L'heure, oui, mais pas monsieur. Je commence à être inquiète. Pour rien, monsieur est peut-être sorti pour acheter du tabac. Du tabac? Il ne fume plus depuis des mois. Zut. Louise? Madame? Louise? Madame? Louise? Madame? Vous savez quelque chose? Monsieur va me tuer. Ah, ne vous inquiétez pas, je l'aurais fait avant si vous ne parlez pas. Il s'est remis à fumer, c'est ça? Oh, je ne sais pas. Louise! Monsieur n'a jamais arrêté de fumer, il fume en cachette. Voilà, c'est dit. Cachette? Mais je sais que cet homme est tordu, je vais le tuer. Mais c'est pour ne pas vous décevoir. Alors il se faisait livrer, très discrètement, du tabac de Birmanie. De la ville de Choc. Vous êtes sa complice. Disons que j'étais chargée de réceptionner les colis. Parce que vous croyez que c'est une chose anodine de ma part? Oh, mais de demander donc au professeur Vermeil l'état de ses poumons. Le tabac est en train de le tuer. Bon, allez ouvrir, faites entrer calmement si c'est un invité et courez prévenir mon avocat si c'est monsieur. Votre avocat? Oui, dites-lui que je viens de tuer mon mari. Vous devriez laisser faire le tabac. Ça prendra plus de temps, mais au moins, vous ne finirez pas en prison. Monsieur Carpentier. Oh, Hubert. Hélène. J'espère que je ne suis pas trop en avance. Vous êtes à l'heure, Hubert. Mais vous avez pu récupérer votre véhicule? Hélas, non. Non, il est toujours en réparation, ils n'ont pas réussi à trouver la panne. Il est chez ce garagiste rue de la Fosse. Dis-moi un peu, rue de la Fosse. Mais la préfecture a décidé de me prêter un autre véhicule. Mais comment avez-vous fait pour passer avec toutes ces barricades d'émeutiers? Le greffier habite à deux pas d'ici, il rentrait chez lui. Je lui ai demandé de me raccompagner. Le partage de véhicules offre une alternative fiable à tous nos trajets. C'est le système Uber. Oh, c'est beau que j'aurais dû épouser. Vous savez, être inventif et j'aime les hommes ponctuels. Arrêtez, vous allez me faire rougir, hein. Mais Charles n'est pas encore là, j'en profite. Merci, Louise. Madame souhaite peut-être que je tienne compagnie à Monsieur Carpentier le temps qu'elle finisse de se préparer. Mais je suis prête. Ah, comment? Ah, si Madame le dit. Quelque chose ne va pas.
Non, vous êtes délicieuse, vous êtes parfaite, délicieusement parfaite, et bien à la peine de l'écouter pas. Ah, taisez-vous, je n'ai même pas eu le temps de me passer à couper par les cheveux à cause d'une fausse voyante. Une fausse voyante? Oui, une histoire de fou, mais n'en parlons plus. Oh, et ces mèches, toutes rebelles. C'est terrible comme je me sens rebelle. Ah, on dirait pourtant que vous sortez de chez le coiffeur. Oh, il va m'arrêter. Pourquoi? Vous manquez de discrétion. Et vous de discernement. Je suis l'homme le plus discret de Paris. Que vous dites? Et je le prouve. Tenez, regardez. Même mes cartes de visite sont vierges, alors. Un baiser. Non, pas maintenant, Hubert. Mais pourquoi nous sommes seuls? Pas pour longtemps, on pourrait nous surprendre. On pourrait, le conditionnel laisse toujours présager un peu d'espoir. Ah, oh, cessez, vous dis-je. Oh. Max, je vous aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. À l'usure, certes. Ça fait 3 mois que ça dure. C'est un véritable supplice. Si vous voulez pas vous donner, bah dites-le tout de suite. Vous m'aurez, mais pas décoiffé. Moi, je veux vous faire la cour, 10 doigts de cour. Laissez-moi vous toucher. Oh, mais vous ne pouvez pas me tripoter, mais ôtez vos mains. Mais ôtez vos... Oh, mais je n'ai jamais vu un homme avec autant de doigts. Vous pourriez faire un effort. Bon, bah, écoutez, je vous promets de ne pas tous les utiliser. Vous n'en utiliserez aucun, on a sonné. Ça va, pour cette fois, je passe la main. Mon ami arrive et je dois ressembler à une biche au Japon. Vous avez essayant d'échapper à une meute de chiens en se frayant péniblement un chemin jonché de ronces. Vous avez une imagination débordante. Et vous, une tête de marathonien, recoiffez-vous, vous frisez. Pas le ridicule, au moins. Oh, croyez-vous que je sois femme à me satisfaire d'un homme commun? Madame, je ne suis pourtant que vice-procureur de la République. C'est justement le vice qui me plaît en vous. Ah. Madame! Oh! Madame Picard est là. Lucienne, déjà? Oui, madame. Est-elle seule? Oui, madame. C'est un peu tôt. Bah oui. Enfin, faites entrer, Louise. Bien, madame. Vous connaissez Lucienne Picard? Nous avons été présentés il y a un peu plus d'un an, si je ne m'abuse. Pas d'un père, elle vient juste de terminer son deuil depuis peu. Ah, je l'ignorais, veuve Picard. Oui, veuve Picard, née puis à froid. Oh, puis à froid. Prédestinée. Ah, et surtout, ne focalisez ni sur sa bouche, ni sur son articulation. Pourquoi vous êtes jalouse? Oh, ne soyez pas ridicule. Elle a subi un traumatisme à la mort de son mari, et ça l'a rendue complètement... Madame Picard! Complètement quoi? Vous verrez. Et le... Cher ami. Quel plaisir de vous revoir. Comme vous m'avez manqué. Oh, hélas, ma guère amie, je n'ai pu faire autrement. Je recommence à peine le cours d'une vie ordinaire. Oh. Vous m'offrez ma première invitation depuis 2 ans. Et oui, les règles de bienséance du veuvage. En 2 ans, mais non, nous ne sommes plus avant. Mais vous avez raison, le temps passe. À une allure, c'est bien ça, vous n'avez même pas eu le temps de dire. Ne l'écoutez pas, c'est un séducteur. Dites-moi plutôt, comment allez-vous? Oh, Gava. En tout cas, je vous trouve bonne mine. Gava mieux. La cure à Aix-les-Bains a été bénéfique. Oh, vous avez repris du poil de la bête. Il y a des jours où Gava moins bien, mais là, Gava mieux. Elle a fait des progrès. Ah bon? Songez qu'il y a 2 ans, elle ne prononçait plus aucun mot. Ah, dites-moi tout, je comprends à présent votre optimisme. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Vous connaissez Monsieur Carpentier? Carpentier? Oui, Hubert Carpentier. Hubert Carpentier? Oui, le vice-procureur. Ah. Bon, écoutez, n'insistez pas, Madame de Boyer. Vraisemblablement, Madame a oublié que nous avions déjà été présentés. Je suis confuse, monsieur. Il y a longtemps de cela? Il y a un peu plus d'un an, si je ne m'abuse. Ne m'en gueulez pas. Ne m'en deuillez pas. Ne m'en veuillez pas. Mais il semblerait que ma mémoire ait chassé tout ce qui s'est passé avant le décès de mon dégoût, hein? De mon loulou, de mon époux. Ah. Et dans ce cas, permettez-moi de refaire les présentations. Lucienne, je vous présente Hubert Carpentier, qui est devenu un ami précieux et accessoirement vice-procureur de la République. Le Dieu. Hubert, permettez-moi de vous présenter Lucienne Picard, dont je vous ai parlé. Madame. Comme vous avez pu le constater, mon ami...
famille a subi un traumatisme. Oui, les gars, va mieux, mais que non. Bien sûr, Lucienne. Elle a vu son mari tomber. Oui. Il était commandant et il est tombé du gâteau. Oh. Il est tombé du bateau? Ben oui, que j'ai dit. Son époux, le commandant Picard, est passé par-dessus bord. Oh. On l'a que trouvé 2 mois après, complètement gonflé dans un bloc de glace. Mais il s'est paru dans toute la Grèce. Dans toute la presse? Oui, que j'ai dit. Son époux, vous avez certainement entendu parler du surgelé Picard. Non, désolé. Non. Ne le voyez pas, mon Dieu. C'est une histoire suffisamment triste qui a détruit notre famille et marqué ostensiblement notre contraception, notre affectation, notre affliction. Mais ce soir, je veux que l'on s'amuse, Hubert. Et vous, Lucienne, je vous interdis de broyer du noir. C'est promis. C'est promis. Mais que j'ai dit. Parlez-nous plutôt de la cure thermale d'Aix-les-Bains. Richard et moi avons l'intention d'y faire une cure en avril. Ah. En avez-vous été satisfaite? Ma gueule. Vous pouvez y aller les 9 permis. Hein? Un musque, un luxe. Oh, des palaces qui s'imposent par leur monumentalité, avec des façades démodées, hein? Décorées, et des anémés, des ananas, des aménagements somptueux. Alors, tout le bon fond moderne, et figurez-vous que j'avais une cuite qui... Je commence sérieusement à m'inquiéter. Richard aurait dû rentrer depuis fort longtemps. Et ne vous inquiétez pas, il ne va pas tarder. Ça ne lui ressemble pas. Écoutez, il n'a pas dû voir le temps passer, voilà tout. Vous voulez dire qu'il est en train de batifoler dans les bras d'une autre femme? Oh mon Dieu! Mais je n'ai jamais dit ça! Mais vous l'avez suggéré! Il a une maîtresse! Hein? Une maîtresse? Je suis d'une naïveté! Je suis là à me morfondre pendant que monsieur prend du bon temps en oubliant de rentrer! Calmez-vous! Si ça se trouve, il a simplement eu un accident de voiture! Un accident? Mais oui, il est peut-être là, en état inconscient, agonisant, avec le sang qui se répand dans la voiture. Vous aussi, vous imaginez le pire, une maîtresse. Oh, Hubert, vous savez trouver les mots pour me réconforter. Engre-nous, la clientèle des villes d'eau est constituée uniquement d'hommes en quête d'amour pagaillère, pacifière, passagère, mais également de beaux partis. Et d'ailleurs, Édouard de Roquefort n'a d'ailleurs pas été inganguide à mes charmes. Vous attirez les beaux partis. Oui, mais que veut pas d'un homme qui a le nom de Fromage? Parce qu'il s'appelle Roquefort, mais ça passe très bien en société. Il est vieux et gros. Moi que veux un jeune en seconde noce. Il y a les gains, ce petit fleuriste. Oh, de beaux yeux bleus, une petite balafre sur la joue, mais... Je sais pas, que reste persuadé qu'il avait quelque chose derrière la quête. Oh, méfiez-vous des fleuristes, ils ont souvent des arrière-pensées. Ah, et puis vous avez toujours su ce que vous aviez. Ah, que c'est surtout que veut pas. Que c'est très bien que je ne suis pas une intellectuelle. Vous savez, les femmes intellectuelles, on en a vite fait le tour. Vous leur ôtez l'intelligence, le bon goût, une certaine connaissance culturelle, et elles sont comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire pas grand-chose dans la tête. Hubert! Je dis simplement que l'intelligence ne fait pas tout, et que je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine, voilà. C'est charmant, ne peut-on avoir les deux? Non. Ça, c'est rare. C'est très rare! Il y a peut-être bien la comptée, mais encore que. Non, je ne vois pas. Ah, mais vous en êtes l'exception, bien sûr! Moi, j'ai de bonnes mamelles! Ouais. Bonnes manières! Que suis volontaire et que suis drôle! J'en ris à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Vous m'étonnez. Ah, et ben voilà qui met un terme à vos inquiétudes. Je n'attends plus personne. Et Richard?
Ben Richard a ses clés, il ne sonne jamais. Madame, il y a là deux policiers qui demandent à être reçus. Deux policiers, dites-vous? Un inspecteur et un stagiaire. Alors, je leur ai précisé que madame recevait, mais... Faites rentrer l'inspecteur. Oui, il semblerait que la chose soit d'importance. Bon, faites rentrer les deux. Bien, madame. Je vous l'avais dit, Hubert, je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose à Richard. Ricard a eu un accident? J'en ai le pressentiment. Il a disparu. Disparu? Disparu! Eh bien, que j'ai dit! Et sans laisser de traces? Demandez à un maniaque de la propreté de laisser des indices. Oh, mon Dieu, mais c'est guérible! Et vous en êtes aspergé quand? Louise l'a vu en dernier. Il sortait aller acheter du tabac et... Oh mon Dieu, avec tous ces émeutiers dans la rue. Oh, il y en a jusqu'à la glace de la Concorde. Il a pu tomber dans une échafourée, une chouchoufourée, une bagarre. Écoutez, mesdames, calmons-nous, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, écoutons plutôt ce que ces messieurs de la maréchaussée ont à nous dire. Oh, bien entendu, vous restez à mes côtés, j'ai besoin de votre présence. Oh, ma guerre, mais bien gure. Vous savez très bien que vous pouvez compter sur moi. Oui. Et vous pouvez compter sur moi. Sur vous, je préfère, parce que... Oh, je suis persuadée qu'il est arrivé quelque chose. Messieurs les inspecteurs, la croix est pilier. Merci, Louise. Entrez, messieurs. Madame Daboyer. Elle-même. Bonjour, madame, je suis l'inspecteur Lacroix. Et voici l'inspecteur stagiaire Pilier. Pilier. Madame. Monsieur Hubert Carpentier et madame Lucienne Picard, qui sont de mes amis. Vous pouvez parler sans réserve, je n'ai rien à leur cacher. Hélas, je n'ai pas de bonnes nouvelles, madame. Je m'en doute, inspecteur, à cette heure-ci. Alors, on a fait aussi vite qu'on a pu, vous savez, mais... Pour se frayer un chemin jusque chez vous, avec tous ces émeutiers, il a fallu en fracasser des crânes. Vous avez fricassé des crabes? Non, mais fracassé des crânes. Eh bien, que j'ai dit? Mon ami sort tout juste d'un traumatisme et n'a pas encore retrouvé l'usage de tous les mots. Oui, mais qu'a pas mieux, maintenant. Et quelle nouvelle nécessite autant de sacrifices crâniens, avec un stagiaire? Oh, Pilier exagère. Il est vrai que la situation est tendue, mais c'est la garde républicaine mobile qui affronte les émeutiers. Ah, oui. Non, c'est un télégramme qu'a reçu le journal Le Petit Parisien qui nous amène ici ce soir. Pilier, le télégramme. C'est vous qui l'avez, chef. Non, Pilier, il est dans ta poche interne droite. Vous avez raison, chef. Alors, député Richard de Boyer, enlevé en fin d'après-midi, sera relâché contre la libération immédiate des trois étudiants de l'Action française arrêtés le premier. Pas de rançon. Vérifiez source auprès du commissariat central. Nous avons aussitôt été contactés par Pierre Dupuis, qui est le directeur du journal. Nous sommes ici pour vérifier que votre mari ne s'y trouve pas. Je vous confirme que mon mari n'est pas à la maison, inspecteur. Il est sorti vers 19h, semble-t-il, et il n'est jamais rentré. À quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois? Vers 19h, inspecteur, le stagiaire. L'heure à laquelle il est sorti, je viens de vous le dire. J'entends bien, madame. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était 19h précisément? Bah, la montre que je porte au poignet droit. Ah, vous portez une montre au poignet droit? Oui, j'ai toujours trouvé plus agréable de porter une montre au poignet droit, non par excentricité, mais par confort. Je peux donc noter que votre mari a disparu entre 19h et 20h. Je pense que tu ne prendras pas de risque, en effet, puisqu'il est 19h45. Excusez mon collègue, il a une intelligence qui me coûte cher et parfois il manque de moyens. Madame, nous allons vous laisser à vos invités. Nous repasserons demain matin pour vous poser quelques questions. Et si les ravisseurs me contactent entre-temps? Ils m'étonneraient, madame. Comme le notifie le télégramme, les ravisseurs ne veulent pas de rançon. Il s'agit d'un geste politique. Dites-moi, inspecteur, sait-on qui sont ces trois ravisseurs, les trois étudiants de l'Action française qui sont réclamés par les ravisseurs? Des anti-parlementaires. Ah. Nous avons arrêté lors de manifestations. Ouais. Pour moi, il s'agit véritablement d'une revendication politique. Vous ne devriez pas être contacté. Mais je vous laisse ma carte. Appelez-nous si les choses-là étaient à changer.
Merci, inspecteur. Votre mari est un député qui a le bras long. J'ai déjà fait transmettre les revendications auprès de la préfecture. Avec le limogeage du préfet de police, la libération des trois émeutiers risque de prendre un peu de temps. Je téléphonerai demain à Albert Prince. Vous connaissez Monsieur Prince? Il est de mes amis. Madame le magistrat. Et s'il le faut, je suis prête à forcer les portes de Gênes. Celle de Gênes Fro ou celle de Gênes Pénancier? Celle de Gênes Fro. Madame le ministre de l'Intérieur. Mais celles de Pénancier ne me font pas peur. Madame le ministre de la Justice. Nous prenons congé, madame. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains. Je n'en doute plus. À demain, inspecteur. Mesdames, monsieur. Inspecteur. Inspecteur. Ben que j'ai dit. Mais dis donc, chef. Mais c'est le gratin du gratin. Mais je crois même qu'on a atteint la couche la plus gratinée. Tu m'as dépigné et prononcé le nom de Paradier et moi je pissais dessus, hein. Madame. Oh, Louise, raccompagnez ces messieurs, je vous prie. Bien, madame. Messieurs. Pour des inspecteurs, je ne les trouve pas gros mal. Mais il y en a un mieux que l'autre. Lequel? Eh bien, l'autre. Ce sont deux incapables de s'asseoir au premier coup d'œil. Ça ne vous a pas empêché de faire étalage? Oh, je suppose que c'est pour la bonne cause. Enfin, la bonne cause. Je vous savais proche de Fro et de Pénancier. C'est vrai. J'ai rencontré Eugène Fro à deux réceptions mondaines, mais je n'ai jamais été présentée à Pénancier. Oh, c'est un mensonge que vous me pardonnerez. En tout cas, ils n'en menaient pas large, les pauvres inspecteurs. Ils pouvaient la boucher derrière la graine millée, ça. Oh, Hubert. Oh, pardon, ce n'était pas de circonstance. Alors, comment vous sentez-vous? Je sais maintenant à quoi m'en tenir. Vous allez tenir le coche, enfin le choc. Il le faut bien, vous me connaissez. Nous allons vous laisser vous reposer, d'accord? Oui, oui, la sauge se réchasse en effet. C'est une contre-pétrie, mais vous devriez écouter votre ami. Oh non, non, je vous interdis de m'abandonner à l'heure où j'ai le plus besoin de vous. Madame! Madame de Boyer est arrivée. Quelle Madame de Boyer? La mère de monsieur. La mère de monsieur? Votre belle-mère? Comment ma belle-mère est ici? Eugénie! C'est la journée des catastrophes! Depuis le temps que vous m'en parlez, je vais enfin faire sa connaissance. Agueux doit dire que je ne l'ai jamais rencontrée non plus. Nous ne nous fréquentons pas, elle habite Strasbourg. Moi je la vois, mieux je me porte. Agueux doit dire que la mienne est un ange. Vous avez de la chance, la mienne est toujours en vie et je ne l'attendais pas. Je le sais bien, madame. Dans le cas contraire, vous m'auriez donné des instructions. Ma belle-mère, manque plus de ça. Bon, il vaut mieux qu'on vous lèche. Alors ce n'est pas une contre-pétrie, mais j'adhère à la proposition. Oh, mais arrêtez de pivasserie, Hubert. Bon, écoutez-moi bien attentivement, tous les deux. Ma belle-mère a des problèmes cardiaques. Si elle venait d'apprendre que Richard était kidnappé, pim pam pom, elle n'y survivrait pas. C'est terrible, ça tombe mal. Que j'arrive avec un jour d'avance. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Madame de Boyer. Oui, ça va, mon petit, vous pouvez vous retirer. On sait qui je suis. Merci, Louise. Et mon petit, mettez la leader tarte que j'ai portée, au froid. Oui, mettez-la dans le frigélux, merci. Bien, madame. Eugénie. Je vois bien que j'arrive à un moment inopportun, Hélène, mais vous semblez vraiment surprise de ma visite. Pour le moins. J'ai pourtant envoyé un télégramme ce matin à mon fils. Depuis l'accident ferroviaire de la Nippon-Pone, la compagnie de chemin de fer a complètement modifié des tickets de transport. On m'a prié de partir un jour avant, sous peine d'annulation. J'espère une fois de plus que cela ne vous dérange pas. Non, je dois être franche avec vous, Eugénie, mais Richard n'a pas prévenu de votre venue. Je crois savoir pourquoi. Pourquoi? Dans quelques jours, vous fêterez bien votre 15e anniversaire de mariage, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vous sais suffisamment intelligente pour comprendre et ne pas en savoir davantage. Vous êtes dans la confidence? Oui. Pour notre anniversaire de mariage? Le cadeau. Le cadeau? Le cadeau, c'est moi. Non! Non! Et c'est moi. Mais je ne peux rien vous dire de plus, hein?
Voilà, parce que Richard m'a chargé d'une mission. Oui, c'est ça, voilà. Où est-il, mon fils? Où est son fils? Rigo, fils. En fait, j'attendais la fin de vos retrouvailles, impatiemment, afin d'avoir l'opportunité de me présenter à vous, madame. Je suis le docteur Aster. Oui, et voici mademoiselle Bacal, qui est mon infirmière spécialisée. Mon fils est souffrant? Non, rassurez-vous, madame, votre fils ne souffre pas, non. Non, mais en fait, votre fils est, victime d'une maladie très rare et très contagieuse. Mais de quelle maladie s'agit-il, docteur? Écoutez, il s'agit d'une maladie très rare et très contagieuse. J'entends bien, vous l'avez déjà dit. Vous pouvez entrer dans les détails, je suis fan de docteur. Ah! Eh oui! Ah. En fait, il s'agit d'une maladie tropicale, très peu connue, très, très, très rare. Très contagieuse! Oui, des très, très contagieuses! Que j'ai dit, hein. Une sorte de maladie, mais de quelle maladie parlez-vous, docteur? Eh bien, en fait, je vous parle de la thrombonérose. La thrombonérose? Oui, voilà, la thrombonérose afteuse. Votre fils est atteint de la thrombonérose afteuse. Je veux le voir. Ah non, ce n'est pas possible. Pas possible. Mais parce que votre fils est en quarantaine, que nul ne peut entrer dans sa chambre, exception faite de mademoiselle Bacal. Mais pourquoi? Eh bien parce que mademoiselle Bacal a déjà été victime de la thrombonérose. Elle est immunisée, même si ça lui a laissé quelques séquelles. N'est-ce pas, mademoiselle? Expliquez. On est bien bavé, hein, que vous prie de croire que on est bien bavé, hein. Vous ne vous y attendiez pas, et puis un jour, ça arrive. On ne sait pas comment, ne me demandez pas comment, parce qu'on ne sait pas comment. Mais ça arrive, votre cerveau ne réagit plus. Vous voulez lever le gras droit, vous levez le gras gauche. Tous vos mouvements sont décoordonnés. Vous ne pouvez plus vous déglacer. Vous passez vos gournées, les chats sur la braise, les bras sur la chaise. Vous vous transformez en légumes. Votre hachoir, votre main noire, un parfum coquet, et à moi c'est la douche ouverte, la bouche toute verte. Et là, vous devez délécher le pinceau, délaisser le pain chaud pour 10 mots de gamelle de campignon. Des champignons. Des champignons. Oui, que j'ai dit. Des morilles, principalement. Des gamelles de morilles. Qui est très bon pour la thrombonérose. Et vous avez réussi à en trouver en cette saison. Oui, nous les faisons venir de Birmanie, de la ville de Choc. Moi aussi, je suis sous le choc. Et hormis les morilles. Du repos. Des gamelles de gorille, des gamelles de morille, et du repos, et gamma s'arranger. Ah, vous écoutez, ça laisse quand même des séquelles, mademoiselle Bacal. Bacal. Allez, écoutez, je persiste, c'est plutôt bancal, hein. Et quand pourrais-je revoir mon fils? Eh bien, quand il sera guéri. Ah, la palisse n'aurait pas dit mieux. Combien de temps cela prendra-t-il? Oh, pour moi, ça a été guérible. Il m'a fallu des doigts et des doigts pour m'en remettre. Aidez-moi! Oui, mais que j'ai dit? Bon, alors, à vous écouter, si j'ai bien compris. Vous êtes en train de me dire que la thrombonérose afteuse est une maladie qui dure des mois, qui se soigne uniquement avec du repos, et en ingurgitant uniquement des morilles. Voilà, c'est ça. On l'apprend à tout âge. Bon, tant ce sont des champignons comestibles, ça vous évitera d'être veuve bêtement. Oh. Vous avez téléphoné au professeur Vermeil. Oh, vous pensez bien, il s'en remet entièrement au diagnostic du professeur Spread. Aster. Si vous permettez, je lui téléphonerai demain matin. C'était un ami de feu votre beau-père et j'ai toute
vous assure que Richard est entre de bonnes mains. Inutile de déranger le professeur Vermeil. Ça guérira rien. Il ne pourra pas rentrer dans la chambre. Dans la chambre. Oui, que j'ai dit. Peut-être, mais j'ai besoin d'être rassurée. L'instinct maternel, vous ne m'avez jamais donné de petits-enfants. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai quand même compris comment vous aviez élevé le vôtre, ça suffit à me décourager. Là, ma bouche, je dois vous trouver une certaine vivacité d'esprit. Pour l'heure, le voyage a été fatigant, j'aimerais me reposer. Nous allions passer à table, joignez-vous à nous. Ah non, là, merci Hélène, mais après une telle nouvelle, je ne pourrai plus rien avaler. À votre guise. Louise! Ou alors, juste un brouet. Mais très clair. Constance nous a préparé une tourte au foie gras. Ah non, là, vraiment, je ne pourrai pas. Comme vous voudrez. Ou alors, une toute petite part. Madame, Louise, dites à Constance de préparer un beau éclair pour ma belle-mère et rajouter un couvert. Une petite part, une toute petite part. J'ai déjà préparé la chambre verte. Merci, Louise. Je préférerais la bleue. Pardon? Je n'ai pas la chambre verte. Je me sens plus sereine dans la bleue. Au vu des circonstances, vous comprendrez que je vais avoir le sommeil léger. Vous ferez le nécessaire, Louise? Bien, madame. Si vous voulez bien vous donner la peine. Dois-je prendre des distances? Pardon? Bon, c'est une question bête. Je suppose que vous n'êtes plus contagieuse. Oh, mais depuis longtemps! Oh, ça a été dur, hein? Très dur! Mais on a fallu bouffer des mamelles de gorille. Des gamelles de gorille. Et puis un jour, tout est redevenu normal. Normal? Mais si, si je vous augure, ni vu ni cul nu. Quelle effroyable personne! Et encore, dites-vous qu'elle est sous le choc. Je suis au désespoir. Non, moi, je ne partage pas votre senti. Votre mari enlevé, moi, ça me ravit. Oh, mais arrêtez les bons mots, ce n'est pas le moment d'être spirituel. Ingrate que vous êtes. Vous devriez me remercier de vous avoir secouru en me faisant passer pour un éminent spécialiste de la trombonérose afteuse du bal tropical. Mais oui, bien sûr, vous êtes un amour. C'est-à-dire que Lucienne a aussi fait preuve d'une grande vivacité d'esprit. On aurait dit un numéro de cabaret. Très appliqué. Parce qu'on vous aime. Mais vous, vous n'aimez pas les bonnes personnes, exception faite de votre belle-mère, évidemment. Oh, je la connais. Je sais que demain, elle voudra parler au professeur Vermeil. Oh, et écoutez, elle ne le pourra pas. Voilà. Hubert, et que faites-vous? Je mets un terme à vos inquiétudes. Plus de câble, plus de téléphone, plus de téléphone, plus de discussion possible avec Vermeil. Voilà. Et sans téléphone? Oh, sans téléphone, on peut très bien vivre sans téléphone. D'être trop fou pour être dépendant du téléphone. Ça vous laissera quelques jours de répit, le temps des réparations. C'est reculé pour mieux sauter. Oh, bah écoutez, vous avez qu'à lui apprendre la vérité. Comme ça, elle attrapera une crise cardiaque et vous serez débarrassé d'une méchante personne. Oh, si elle pouvait s'étouffer avec la tourte. M'étonnerait. Elle a dit qu'elle en prendrait une toute petite part. On voit bien que vous ne la connaissez pas. Elle s'est toujours mieux tenue à table qu'à cheval. Madame. Oui. Puis-je vous parler quelques instants? Enfin, oui. Vous voyez que nous allions passer à table. Je sais bien, madame, mais je me permets d'insister. Lourdement, en effet. Vous permettez? Je vous en prie. Servez le bain, Hubert, et je vous rejoins. Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Porto? Dans cet ordre. Ah, il va sans dire. Je sais que madame doit être mécontente, mais il faudrait que vous écoutiez ce que cette femme a à vous dire. Quelle femme? Entrez, madame. Encore vous? Tiens, vous parlez. Enfin, Louise, que signifie ce traquenard? Oh, mais écoutez ce qu'elle a à vous dire, vous n'allez pas y croire. Mais je n'y crois pas avant même de l'avoir écoutée. Écoutez ce que j'ai à vous dire et vous jugerez après. Je vous donne 2 minutes. Il faut que vous sachiez que c'est la première fois que l'on me demande d'aider quelqu'un avec autant d'insistance. Je n'avais plus l'intention de revenir chez vous. Mais vers 21h, je suis entrée dans un état de transe, qu'on appelle dans notre jargon un état modifié de conscience. Alors, la transe, comme la méditation, peut être induite par la volonté. Mais ce n'était pas le cas. Enfin, j'entends par là que je n'en avais nullement la volonté. Louise, arrêtez, vous me fatiguez. Une sorte de transe spontanée. Oui,
Un état où l'on ne cesse de bouger. Comme le danseur qui est mis en mouvement par la musique. Je me suis mise à danser sans raison. Vous dansiez? J'entendais une musique résonner de plus en plus dans ma tête, avec des rythmes bien saccadés. Je me suis mise à danser de plus en plus vite, à me désarticuler. Vous dansiez bien. Chantez maintenant, votre numéro sera complet. Ah non, non madame, ne vous moquez pas. C'est trop grave. Parce qu'avant, avant d'être dans cet état, j'ai trempé mes mains dans la peinture. Oh, vous êtes vraiment une artiste polyvalente. Et tout en dansant, j'ai dessiné ce portrait. Vous avez fait ça en dansant? Oh, en gesticulant, si vous préférez. C'est monsieur? Oui. Enfin, ça ressemble à monsieur. Madame. Bon, le portrait ressemblant, je vous l'accorde. Mais, et je dis ça sans prétention, on trouve des photos de mon mari un peu partout dans la presse. Vous auriez pu vous en inspirer, non? Madame, jusqu'à hier, je ne connaissais pas votre mari. Je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas cette maison. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dessiné son portrait. Ça fait deux fois qu'on m'envoie des informations. Il y a forcément une explication à tout ça. Et pourquoi avez-vous noté Steve au bas du portrait? Mon mari s'appelle Richard. Ça, je l'ignore. C'est peut-être le nom de l'esprit qui a pris le contrôle. C'est en tout cas une information à ne pas négliger. C'est comme si l'on m'envoyait les pièces d'un puzzle. Comment savez-vous que mon mari a disparu? Il a disparu? Bah, vous devriez le savoir, vous êtes voyante. Mais enfin, madame, pour le savoir, il aurait fallu que je sois en relation avec vous. Il aurait fallu que je perçoive des manifestations de l'au-delà. Vous ne comprenez pas que j'obtiens des réponses alors que je n'ai posé aucune question. Si vous voyez l'état de mon appartement, parce qu'avant de dessiner ce petit portrait, j'ai mis de la peinture partout. Oui, un véritable carnage. Et vous vous attendez à ce que je vous dédommage? Mais enfin, c'est incroyable. C'est incroyable cette manie que vous avez de tout ramener à l'argent. Lors de mes consultations, je reçois des gens riches, des pauvres. Et chacun donne ce qu'il veut. Je n'impose rien. J'ai un don, je n'y peux rien, je suis médium. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile d'entendre des voix, surtout. Surtout le jour où je passe devant le cimetière. Oh, j'imagine la cacophonie. C'est la première fois dans ma carrière que je reçois autant d'informations malgré moi. Bon, il y a quelqu'un qui veut réellement vous aider. Et vos arcades nous empêchent de le voir. Alors, je suis désolée, mademoiselle, mais je ne peux rien pour votre patronne. Il est des portes qui ne se forcent pas. Inutile de me raccompagner. Mais, madame! Louise, n'insistez pas, laissez-la partir. Je vous souhaiterai à l'avenir de rester à votre place. L'échange devra avoir lieu demain matin, et une fois monsieur rentré, vous comprendrez l'importance d'avoir laissé faire la police et de savoir faire preuve de lucidité et de bienveillance en toutes circonstances. Thank you.
pas pu se faire. Et qu'entendez-vous par l'échange n'a pas pu se faire? Nous avions l'accord du procureur de la République. Nous avions réuni les trois lascars et au moment de procéder à l'échange, à l'heure exacte, personne n'est au rendez-vous. Et mon mari? Personne, madame. Ni les ravisseurs, ni votre mari. Vous n'avez peut-être pas assez attendu. Ouais, les trois émeutiers sont toujours dans le panier à salade. Hein. Dans le fourgon cellulaire, je veux dire. À l'endroit où devait avoir lieu l'échange. On a bien laissé une patrouille, mais à midi, on va être obligé de les rapatrier. Hein. On a essayé de vous téléphoner, mais vous êtes en dérangement. Je suis désolé, madame. Les émeutes d'hier ont peut-être été la cause de ce volte-face. Et vous croyez que je vais me satisfaire d'une pareille réponse? Et croyez bien, madame, que nous faisons tout ce qui est notre possible. Mais il va falloir reprendre l'enquête à zéro. Madame, monsieur Carpentier. Oh, Hubert. Ah, Hélène. Dieu soit loué. Vous avez appris la nouvelle? Oui, je reviens à l'instant du bureau du procureur. J'attendais des nouvelles quand on m'a dit que l'échange n'avait pas eu lieu. Messieurs les inspecteurs, bonjour. Monsieur le vice-procureur. Monsieur le vice-procureur. J'ai essayé de vous téléphoner, mais... La ligne ne fonctionne plus. Ah, oui. Le procureur tient absolument à ce que vous régliez cette affaire au plus vite. Il en fait une affaire personnelle, d'accord? Monsieur de Boyer devra regagner son véhicule sain et sauf avant ce soir. Louise, oui. Préparez du café et des collations. Nous en aurons besoin. Tout de suite, madame. Puisqu'il nous faut reprendre l'enquête à zéro, il faut que nous réinterrogions toutes les personnes qui hier étaient présentes chez vous. À l'exception de mon amie Lucienne Picard, nous sommes déjà tous réunis. Mais elle devait venir cet après-midi, elle habite la porte à côté. Mais je vais lui téléphoner pour devancer. Non. Non. Plus de téléphone. Difficile de s'en passer. Je vais envoyer Louise. Madame, nous venons de recevoir un télégramme au nom d'Eugénie de Boyer. Pour ma belle-mère, donnez-le-moi. De plus, je crois savoir que Madame de Boyer-mère a terminé sa promenade et elle sera là d'une minute à l'autre. Merci, Louise. Allez de ce pas chez Madame Picard et dites-lui de venir promptement. Bien, madame. Des nouvelles? Un télégramme pour ma belle-mère. Quoi? Moi? Messieurs, messieurs. Je sais que ma demande va vous paraître incongrue, mais ma belle-mère va descendre ici d'une minute à l'autre. Hein? C'est une femme qui a des problèmes cardiaques. Oh. Et elle ignore que son fils, mon mari, le député Richard de Boyer, a été enlevé. Je sais qu'elle va certainement vouloir téléphoner. Et je vous demande simplement de garder secrètes vos identités jusqu'à son retour dans sa chambre. Je peux compter sur vous? Vous pouvez compter sur nous. Sur vous, c'est certain, mais... Oui, je ne suis pas sûre. Si, vous pouvez compter sur nos pères. Chef, moi je suis désolé, mais j'ai rien compris. Bélier, on te demande d'oublier que tu es un inspecteur stagiaire. On te demande de jouer un rôle. Un rôle? Comme au théâtre? Voilà, comme pour une infiltration. Oh, bah c'est bon, chef, là j'ai compris. Oh, belle maman! Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, vous pensez bien. Vous voici bien matinale. Docteur! Docteur! Ah oui, docteur, bonjour. Les nouvelles de mon fils? Les nouvelles, état stationnaire. Il est stationnaire, il stationne, il est toujours stationnaire. Nous verrons ce qu'en pense le professeur Vermeil. J'attendais une heure décente pour pouvoir lui téléphoner. Ah, je crois, hélas, la chose impossible. Du génie. Le téléphone ne fonctionne plus. Hein? N'est-ce pas, messieurs? N'est-ce pas, messieurs? C'est sûr, il ne fonctionne plus. Ces messieurs travaillent pour la poste et télégramme. N'est-ce pas, messieurs? Oui, c'est sûr. On travaille pour la compagnie du téléphone. Un millier. Bah, comme vous dites, chef. Hein, on vient voir pour faire, comme tu dirais, des réparations. Ah bah là, c'est cassé. Hein, chef? Oui, c'est cassé. Parce que, normalement, le fil bleu, ça va avec le fil bleu. Hein, chef? Normalement. Et normalement, le fil rouge, et ça va avec le fil rouge. Hein, chef? Normalement. Bon, bah là, il n'y a plus rien qui va. Les câbles sont pas raccordés. Et sans câble, impossible, comme tu dirais, de téléphoner.
Il n'y a plus de communication possible. On ne peut pas demander le standard, vous comprenez? Oui, c'est bon, Pignet, je crois qu'on a tout ce qu'on lui dit. Non, ben, moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais qu'après on vienne pas nous dire qu'on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Ben, les gens nous appellent vraiment pour n'importe quoi. Et on voit bien que le câble est sectionné. Et sans câble, impossible, comme tu dirais, de téléphoner. Merci pour ce bruyant exposé, monsieur. D'abord, ce télégramme a comme tiré. Beaucoup de chance de vous avoir. Non, parlant de télégramme, j'allais oublier. Celui-ci vient d'arriver pour vous. Ah, j'avais pris la liberté de donner votre adresse à ma gouvernante si on devait me joindre. Mais uniquement en cas d'urgence. C'est ce qui m'inquiète. Vous permettez? Je vous en prie. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Tout va bien, Eugénie? Qui c'est? Oh! Priscilla échappé de sa volière, stop! Atterri sur les chandelles qui ont mis le feu au canon, aux tentures et au grand salon, stop! Partie ouest du château endommagée, stop! Incendie maîtrisé, mais à part ça, Madame de Boyer! Tout va très bien, tout va très bien! Docteur, j'ai du mal à respirer! Asseyez-vous, madame. Docteur, je suis déjà assise. Chef, moi je comprends plus. Le vice-procureur, il est docteur ou il joue un rôle? J'ai tout mal à suivre. J'ai tout mal à suivre. Docteur, je me sens mal. Hélène, donnez-lui deux doigts de Suze. Oh, ce n'est pas en vous saoulant que vous allez me guérir. Enfin, madame, je ne peux tout même pas procéder à une autopsie. Vous êtes toujours vivante. Mais faites-moi un check-up. Un check-up, non, non, je préfère de la Suze dans votre état. L'acidité de la tomate, c'est pas très bon. Bon, voilà assez, hein, pour rentrer à Strasbourg. Vous êtes un drôle de docteur, hein? Et pas un docteur drôle, madame. Moi, je suis un spécialiste. Un spécialiste des maladies tropicales. De la thrombonéreuse afteuse. Voilà. Il a dû faire médecine avant de faire son droit. Bon, en tout cas, je joue vraiment bien au docteur, hein. Bon, Hélène, je n'ai pas eu le temps de défaire ma valise. Vous comprendrez que les circonstances commandent. Je veux rentrer à Strasbourg au plus vite, hein. Et comment? Si vous pouviez m'appeler un taxi. Bien sûr. Non. Non. Plus de téléphone. Décidément. Mais bon, laissez-moi porter votre bagage, madame. Vous savez, depuis la crise, on ne retrouve plus un seul taxi dans les villes de Paris. Volontiers. Ça fera enfin de vous un docteur qui a des bagages. Et même, je ne suis pas un si mauvais docteur que ça. Deux doigts de Suze, et vous retrouvez déjà tout le sarcasme de votre esprit. Je vous suis, madame. Vous perdu assez de temps. Hein. Attention de reprendre à l'affaire depuis le début. J'espère que madame a été satisfaite de ma prestation. Votre prestation? Eh bien, l'employé des postes, le fil rouge avec le fil rouge, le fil... Oh, Pignet, c'est bon, ce n'est pas le moment. Hein. Madame, je suis rentrée. Et madame Picard? Alors, elle se change et vient immédiatement. Parfait. Et je lui ai précisé que vous la recevrez dans les salons verts. C'est parfait. Ma belle-mère rentre précipitamment à Strasbourg où partie de son château a pris feu. Oh, enfin de bonnes nouvelles. Hélène, ne pensez pas que je parte comme une voleuse ou que je me désintéresse du sort de mon fils. Je reviendrai dès que possible. D'ici là, tenez-moi au courant de l'évolution. Je vous téléphonerai. Ces messieurs ont terminé de réparer la ligne, bien sûr. Je dois quand même vous dire, messieurs, que je suis un peu surprise de la lenteur des travaux. Ça n'avance pas beaucoup depuis ce matin. Habillés d'une livrée, on dirait deux majordomes qui se fondent dans le décor. C'est quand même plus compliqué qu'il y paraît, hein. Je ne suis pas spécialiste, mais comme qui dirait, il n'y a qu'un câble à raccorder. Bien sûr, mais comme qui dirait, une erreur de raccordement et vous n'entendez plus tous les mots, hein. Peut-être même un mot sur deux. Oui, mieux vaut être sourde que d'entendre ça, hein. Docteur, nous y allons. Je vous suis, madame. Je la mets dans le train et je reviens vous voir. Vous m'avez sauvée. Oh, madame, je ne fais que ce que n'importe quel esprit génial y fait à ma place. Pas très aimable, votre belle-mère, hein. Permettez? Mais réaliste, la seule chose qui vous distingue de mes plantes vertes, c'est le fait que vous clignez des yeux. Madame, j'estime que nous avons fait ce que nous pouvions pour vous être agréable. Maintenant, je reprends l'affaire en main. Nous allons vous interroger individuellement. On va s'attaquer au moindre petit détail. Pendant que je m'occupe de...
Madame Devoyer, tu t'occupes de mademoiselle. Tu notes tout ce qu'elle va te dire, hein. Sait-on jamais. Hein. Madame Devoyer, je vous en prie. Le clé, votre identité, vous prie. Hein? Déclinez votre identité, je vous prie. Ah. Louise Morin. C'est votre nom de jeune fille? Oui, je ne suis pas mariée. Ah. Comment? C'est important pour votre enquête? Je réfléchissais à voix haute. Vous avez une opinion? Non, pas sur moi. Ah. Je vous demande si vous avez une idée de ce qui s'est passé. Ah, non, aucune. Mais c'est tellement bête comme situation. Que voulez-vous dire? Rien. Justement, il n'y a rien à dire. Juste avant de partir, monsieur m'a dit qu'il sortait pour acheter du tabac en cachette. Cachette? Oui, rapport à madame. Elle ne voulait pas qu'il fume. Monsieur avait des problèmes de santé. Pourquoi dites-vous il avait? Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas mort, hein? Mais c'est vrai. J'aurais dû dire, il a des problèmes de santé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'espère que je ne vais pas lui porter la poisse. Bon, en tout cas, n'allez pas croire que j'en sais plus que ce que j'en dis. Hein. Je n'ai pas commis de faute. Oh, une petite faute de français. De française. Concordance des temps, c'est pas bien grave. C'est joli ici. C'est propre. C'est vous qui entretenez la maison? Oui. Vous êtes la seule employée? Ah non. C'est une dame qui vient faire la cuisine. Mais elle ne vient que pour préparer un repas. Bah, c'est une grande maison, hein. Vous devez y passer du temps. Mais je travaille ici en permanence. Je loge dans une chambre de bonne juste au-dessus. Moi, je loge chez monsieur d'Argencourt dans un petit appartement au dernier étage. Il faut monter sans ascenseur et sans ascenseur, c'est haut, hein. Très haut. Vers 3h du matin, quand il n'y a plus de bruit, j'entends même les anges péter. Ça donne envie. Pendant faire une petite visite. Mais alors là, n'y comptez pas. Je ne viendrai jamais visiter la tanière d'un homme qui pue autant de l'estomac. C'est le surstroming. C'est une maladie? Non, c'est mon sandwich. Votre sandwich? Mon sandwich, à base de harangues de la Baltique qui a fermenté pendant plusieurs mois. Quelque chose me dit que vous êtes toujours célibataire, vous. Si j'étais pas franc du collier, je travaillerais pas dans la police. Avec moi, un chat s'appelle un chat. Oui, et un harangue. Comme vous dites. Vous n'êtes pas un spécialiste de l'enrobage, vous. Bon, vous aimez les fioritures? Mais... J'avais cru comprendre que vous étiez une fille simple. Mais pas simplette. Je n'ai pas fait mon cours à Asnières. Je ne suis pas une paysanne d'Aubervilliers, moi, monsieur le stagiaire. Oh, chou pour chou. Aubervilliers vaut bien Paris, mademoiselle. Bon, écoutez, je n'ai pas toute la journée devant moi. Madame m'a demandé de répondre à vos questions afin de faire avancer votre enquête. Alors, avançons. Inutile de monter sur vos grands chevaux, hein. J'essayais simplement de vous mettre à l'aise. En plus, c'est dans le règlement. Un témoin à l'aise est toujours plus coopératif. Mais c'est vous qui me gênez. Vous me gênez et vous puez. Tenez, buvez ça. Ah non, je suis en service, j'ai pas le droit de boire d'alcool. Mais ce n'est pas de l'alcool. Qu'est-ce que c'est? De l'eau de Cologne. L'eau de Cologne? À la lavande. Buvez-en quelques gouttes. Oui. Bah, pour vous être agréable, hein. C'est moi qui vous remercie. Bon, poursuivons. Non, mais il faut vous recentrer sur votre enquête. Vous n'y arriverez jamais si vous êtes aussi lent et dispersé. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi vous mettez autant de temps à résoudre des affaires. Dans notre métier, mademoiselle,
Il faut savoir prendre le temps de tout analyser. Billet, tu as terminé? Oui, chef. C'est long, c'est long, c'est trop long, Billet. J'ai terminé. J'ai eu le temps d'interroger Madame Picard et Madame Deboyer. J'ai terminé de la cuisiner. Mais n'importe quoi. Il n'a eu le temps de me poser qu'une seule question. Quoi? Non, d'abord... Il n'a fait que me parler de sa garçonnière. Il m'a même proposé de venir la visiter. Non, mais heureusement que je lui ai dit que monsieur sortait acheter du tabac la dernière fois que nous nous sommes croisés. Sinon, on en serait encore au point zéro. Eh bien, Pilier, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, chef, vous voyez bien que cet excité a pas toute sa tête. J'en ai suffisamment pour voir que vous ne faites pas correctement votre métier. De quoi je me mêle? Vous êtes pas dans ma tête, hein? Parce qu'en haut, ça carbure, figurez-vous. Ah oui, dans ce cas, je vous trouve impressionnant de retenue. Faudrait savoir, il y a 5 minutes, j'étais prêt à vous demander en mariage. Oui, c'est pas demain que vous tremperez votre lardon dans la lèche frite, monsieur le stagiaire. Surtout avec une haleine de pêcheur de harengs. Cette fois-ci, t'as dépassé les limites. Si tu veux te cuisiner, on va faire ça au poste. Non. Chef, je l'embarque. Billet, lâche-la immédiatement. Elle a dépassé les limites, chef. Bien que cette pauvre femme n'a rien à se reprocher. Elle ne cherche qu'à nous aider. N'est-ce pas, mademoiselle? Bien sûr, inspecteur, si on me pose les bonnes questions. Mais j'allais y venir, mademoiselle, je sais tout. C'est une méthode d'approche, dites-lui, chef. Pour l'instant, Billet, je préférerais une méthode d'éloignement. C'est terrible, ça, on dirait que tu vas manger du hareng. Du hareng qu'on aurait trouvé dans la chambre de la banque. Non, mais vous allez pas vous y mettre vous aussi, chef. Eh bien, c'est sa faute. Elle m'a fait boire de l'eau de Cologne. Pourquoi vous faites toujours pareil? Mais comment ça, pourquoi? Vous avez senti son haleine? Mais ce n'est pas une raison. L'eau de Cologne contient du méthanol, un poison très puissant. Et toi, tu veux pas sucer une pastille d'attaque comme tout le monde? Je peux pas sucer, chef. J'en ai pas. Tiens. Au moins avec l'eucalyptus, la menthe et la menthe poivrée, tout ça, tu risques pas de t'empoisonner. Dis donc, chef, vous êtes rudement bien calé en pastille Valda. Eh, moi aussi j'en voudrais une. Une pastille. Mais bien sûr. Augustin, passe donc les pastilles, hein, mademoiselle. Servez-vous. Ce n'est pas que je raffole de l'eucalyptus, hein. Je préfère la lavande. Mais votre stagiaire m'a quelque peu irrité l'épiglotte. Tu entends? Tu as hérité l'épiglotte de mademoiselle. Bon, la maîtresse connaît bien le ministre de la police. Mademoiselle a l'épiglotte irritable. Sensible. Alors, excuse-toi, apprends encore des causes à cause de la police. Mais comment ça, m'excuser? Tu t'excuses pour l'épiglotte que tu as causée. Alors, on va pas y passer la nuit, hein, c'est bon. Je vous demande pardon, mademoiselle, de vous avoir irrité le polyglotte. L'épiglotte, Billet, l'épiglotte! Alors toi, tu t'en tiens une couche, hein? Le polyglotte est une figure géométrique. Rien à voir! Oh, l'illettré! Ah non, la figure géométrique, c'est un polygone. Un polyglotte, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Non, mais je me demande vraiment si un jour vous allez retrouver monsieur. Oh, c'est bon, hein, la montière, hein? On veut bien être gentil, mais faut pas trop nous gonfler les amygdales, hein? C'est une érythrose de glande, chef. Ferme-la, Billet. Bon, mademoiselle, finissons-en. Vous avez dit à mon collègue que la dernière fois que vous avez vu votre patron, c'est quand il est descendu pour aller chercher du lait. Non, du tabac, chef. Elle a dit du tabac. Du tabac, nous sommes d'accord. C'est ce que j'ai dit. Vous l'avez vu franchir la porte? Oui. Et vous ne l'avez plus jamais revu? Non. Plus du tout? Non, il n'est jamais revenu. Alors pourquoi voulez-vous qu'on vous pose d'autres questions puisqu'elle ne peut rien à nous dire? Mais ça, vous ne pouviez pas le savoir. Vous n'avez pas la clairvoyance. Enfin, ça saurait. J'aurais très bien pu le voir avec un autre homme, juste avant qu'il ne change de trottoir. Et cet homme, enfin, le signalement de cet homme, aurait pu faire avancer votre enquête. Un grand, brun, un peu taciturne. Je crois même qu'il portait une balafre sur la joue droite. Non, attendez. Sur la joue gauche. Oui, c'est ça, la gauche. Enveloppée dans un manteau de finition à double poitrine en mohair ceinturé. Ils ont discuté un moment. L'individu a allumé une cigarette, ce qui a éclairé son visage. Il a les yeux bleus. Ensuite, monsieur lui a donné un papier, très rapidement d'ailleurs. Puis il a changé de trottoir.
capital. Vous avez réellement vu tout ça? Non. Comment ça, non? J'ai dit que j'aurais pu. Vous n'avez rien vu du tout? Mais non, cette fois-ci, j'ai tout inventé. Mais pourquoi vous nous racontez des choses pareilles? Pour vous prouver qu'en bâclant un témoin, on peut passer à côté de beaucoup d'indices. Mais vous n'êtes pas clair. Oh. C'est une folle, chef. Moi, je vous l'avais dit, hein. Bon, mademoiselle, je ne vous félicite pas. Vous avez bien de la bave. Vous venez de nous faire perdre un temps précieux pour notre enquête. Vos infâmes leçons peuvent être considérées comme des mensonges. Pire, comme un faux témoignage. C'est une entrave à l'exercice de la justice. Et c'est passible d'emprisonnement. Ah, d'emprisonnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? On l'embarque? Non, non, monsieur l'inspecteur. Je me rends compte à présent que je suis allée beaucoup trop loin. Trop tard. Allez, chef, on l'embarque. Bon, ça va pour cette fois. Je vois bien que vous n'êtes pas une folle furieuse. On l'embarque pas? Non, Billy, on ne l'embarque pas. C'est le temps de faire un rapport. On passera. C'est que... j'ai rien noté, moi, chef. Le type... je me souviens même plus sur quel jour il l'avait, sa balafre. C'est cette plaisanterie. Ben non, ça allait beaucoup trop vite pour moi. J'ai pas eu le temps de tout retenir. Il plaisante. Je ne crois pas, non? Ben, chef... oh, la ferme, Billier. Chef... regarde dans la tête, mais tout dans la laine. Reprends notre pastille. Merci, chef. Et garde tes distances de sécurité, hein, parce que là, vraiment... mademoiselle... inspecteur... on repassera. Ouais, on repassera. Et cette fois-ci, vous ne me prendrez pas au dépourvu. Billier, ferme-la juste avant là. Allez. Des questions basiques. Basiques. On a vite fait le tour. Ricard avait déjà dit spagule avant que vienne chez vous. C'est vrai que vous ne l'avez pas du tout vu. Et vous, Louise? Ah, moi, j'ai dit tout ce que je savais, hein. Et même plus. Mais si vous voulez mon avis... on n'a pas affaire à des lumières. Je crois qu'elle n'a pas tort. Hein. Si l'échange n'a pas pu se faire, il va galoir vous attendre au pire. Si l'échange n'a pas pu se faire, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Richard vaut bien troisième métier. Ricard n'a pas dû quitter la capitale. Il est forcément quelque part. Hubert a obtenu du préfet de police qu'on agrandisse le rayon des recherches de la porte devant vers la rotonde de la Villette. Oh, garland de la Villette! Devinez qui j'ai revu au bonheur des drames. Des dames. Qui? Mon cutie fleuriste. Oh, celui de la cure thermale. Lui-même. Quel bazar. Quel hasard. Et d'agadage. Rien que dans la capitale, il a 3 boutiques de sœurs, de fleurs. Mais il a également d'autres commerces. Des garages, des mercreries. Alors du coup... je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant et nous devons nous que voir. Je suis heureuse pour vous. Moi, j'ai suffisamment porté le deuil de Steve. Hein. De Steve? Le prénom de Picard était Steve? Ben, vous croyez que vous le gaviez? Non. C'est vrai que je l'appelais toujours Picard. Non. Regardez ça. Ah, mais ça, c'est la quête de votre mari? Oui. Ah, c'est très ressemblant, hein? Ah, mais, et pourquoi avons-nous écrit Steve tout en bas? Ça, je ne sais pas. Oui? Mais je crois que quelqu'un va pouvoir nous donner les réponses. Et qui? Ne vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai plus tard. Louise! Madame, Louise, dites-moi que vous avez gardé la carte de la voyante. Non, madame. Vous l'avez perdue? Non, je l'ai jetée, madame. Mais pourquoi vous faites une chose pareille? Parce que madame m'a demandé de rester à ma place, c'est ce que j'ai fait. Mais il fallait me désobéir, ce serait la première fois. Si madame souhaite savoir où loge cette dame, je peux vous le dire. Louise, j'augmente vos gages. Préparez-vous, allez tout de suite me la chercher. Bien. Ce ne sera pas nécessaire. Vous? Mais comment avez-vous fait pour entrer? J'allais le dire. Eh bien, j'allais sonner et la porte est ouverte. Oh! Une porte qui s'ouvre toute seule. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Non, non, votre cuisinière sortait, j'en ai profité pour entrer. Vous allez lire
dormir dans votre poule de cristal? Non, c'est mon repas de midi. J'avais fini de la plumer, j'allais la plonger dans mon bouillon de légumes, quand je me suis aperçue que l'eau était gelée. Un bloc de glaçon. Impossible d'y rentrer la poule. À la surface, les carottes formaient des lettres et j'ai pu lire Steve Picard. Steve Picard, mais qui était mon mari? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans votre couillon, hein? Dans votre couillon? Ah ça, madame, j'aimerais bien savoir. Amusez-vous, écoutez-vous, la vie entre nous est qui pèse. Amusez-vous, comme venez-vous, la vie est si courte après tout. Amusez-vous, foutez-vous de tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme des fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici pas pour se faire du souci. Mais, enfin, il faut vous recentrer. J'ai besoin de votre totale adhérence. Je suis à votre disposition. Vu comme je me suis conduite avec vous, je vous dois au moins ça. Je sens quand même encore une sorte de résistance. Forcément, tout cela est nouveau pour moi. Et je suppose que vous n'avez jamais consulté. Je vais vous surprendre, mais il y a quelques années de cela, on m'avait donné la carte d'une voyante. Ça s'est mal terminé. Je l'ai appelée et elle m'a demandé qui était au bout du fil. Et alors? Et alors? J'ai raccroché. Dis-moi donc qu'il ne sait pas qui vous êtes. On peut pas. Comme je vous l'ai expliqué depuis deux jours, ce n'est pas si simple. La voyance est une science qui s'appuie sur des supports. Ah, votre fameuse boule de cristal. Oui, alors personnellement, j'utilise mon tarot. Vous permettez? Je vous en prie. Bien. Venez vous asseoir près de moi. Bon, ne soyez pas inquiète. Tout va bien se passer. Je vais vous demander de tirer 5 cartes dans ce paquet avec votre main gauche. Mais auparavant, concentrez-vous sur une question bien précise, même si je n'ai aucun mal à l'imaginer. Je vais choisir celle-ci. Prenez-la avec votre main gauche. Le pendu, hein? Le pendu. Eh bien, que j'ai dit? En effet, c'est un pendu. Que voulez-vous dire? Ah, mais rien. Rien, les cartes sont sujettes à de nombreuses interprétations. Le pendu n'est pas forcément une carte négative, car, comme vous pouvez le remarquer, il est pendu par le pied, pas par le... Vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas tué mon mari, mais qu'on l'a pendu comme un jambon de Bayonne par le pied. Non, mais non, enfin, vous extrapolez. Elle extrapole. Elle extraconne. Le pendu ne représente pas forcément votre mari. Bon, c'est très gentil à vous de vouloir me rassurer, mais je préfère tirer une autre carte. Je vous en prie. Tenez. La gomme, hein? C'est en effet la mort. Mais que j'ai dit? Mais je vous arrête tout de suite. Le message de la mort est contradictoirement plutôt positif. Ah, et vous fournissez la corde avec cette phrase. Cette carte symbolise le passage et la transformation vers une nouvelle vie. Celle du veuvage. Non, mais tenez. Ne regarde pas. Achevez-moi. C'est mauvais. Vous savez quoi? Vous n'avez qu'à en retirer une autre. Vous me cachez quelque chose? Non. Je vais remuer le paquet à nouveau. Oui, bien. Je pense que les cartes n'ont pas été mélangées comme il faut. J'ai jamais vu un jeu pareil, c'est à se tirer une balle. Justement, qu'avais-je tiré? Ça n'a
n'a pas d'importance. Non. C'était pour du beurre. Ah. Ploum, 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 on recommence. Alors, tirez une carte. Et s'il vous plaît, choisissez la plume. Je vais essayer. Mais je vous assure qu'avec des cartes côté verso, c'est plus difficile pour faire son choix. Tenez. Je ne la regarde pas. Si c'est mauvais, j'en tire une autre. C'est bon, tirez-en une autre. Non, mais c'est quoi? Vous trichez moi. Lucienne, c'est quoi? Le couteau. La guillotine. Oh, Jacques l'éventreur. La queue. Oh, la veuve. Que j'ai dit? La veuve. Oui, 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 mais alors, le point positif, hein? Oh, c'est qu'elle est à l'envers. Et alors? C'est la veuve joyeuse. Ça signifie que vous allez tout encaisser et que les événements vont avoir très peu de pression. Eh bien, madame, le hasard, ou je ne sais trop quoi, a bien fait de vous mettre sur ma route. Me voilà prévenue. Le jour où on m'annoncera que mon mari, pendu par les pieds, a trouvé la mort en se faisant découper dans la jambon de Bayonne, je pourrai dire à l'officier de police qui m'annoncera la nouvelle, j'étais au courant. Ne vous mettez pas en peine. Je suis veuve, mais une veuve joyeuse. Mais non, enfin, vous avez pris la chose trop à cœur, mais vous avez faussé le jeu. Venez en tirer une autre. Ah non, merci, j'ai eu ma dose. Lucien, allez-y, vous. Tirez 5 cartes pour voir. Oh, que peu! Je vous en prie. Oui, mais bon, tirez-la à la suite, on ne va pas y passer la nuit non plus. Alors, celle-ci et céleri. Nous avons donc le serpent. Ah, c'est pas bon. Ah, si, c'est bon. Oui, c'est bon, le serpent. La tempérance, l'épée. Ah, ça, c'est pas bon, l'épée. Mais pourquoi ce serait pas bon, l'épée? C'est beau, c'est bon. La vigne et l'ermite. Ça, je suis certaine. L'ermite, c'est pas bon. On a toujours dit que l'ermite, c'était pas bon. C'est pas mauvais, l'ermite. Ah non. Non, ça n'a jamais été mauvais, l'ermite. Moi, je suis certaine. Non, l'ermite, c'est plutôt bon. C'est d'ailleurs un tirage particulier. Aux innocents, les mains pleines. Mais il y a quelque chose d'anormal. Les arcanes. Eh bien, les arcanes ne devraient pas être positionnées de cette façon. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pas normal. C'est étrange. Attendez. Le S de serpent, le T de tempérance. Le E de l'épée, le V de la vigne et le E de l'ermite nous donne... Steve, mon Steve. Pour moi, la chose est évidente. Steve Picard nous fait comprendre qu'il veut rentrer en relation avec son épouse. Oh, vous en êtes cure? Ah non, madame. Non. Dans mon métier, il y a très peu de place pour la logique. Tout ceci est assez nouveau, oui, et même violent pour moi. Voilà pourquoi je vais vous demander de garder sur vous une obsidienne œil céleste. Voilà. Cette pierre est connue pour ses vertus protectrices. C'est censé nous protéger de quoi? Vous devriez plutôt dire de qui? De qui? Il peut y arriver qu'il y ait des interférences avec les esprits malins. Mais que veut-il à la femme au moment qu'elle fait peur? Mais non, enfin... Vous ne devez pas avoir peur. Qu'a-t-il à dire? Je suis en train de me qualifier, hein? De me liquéfier. Ah. Votre traumatisme remonte à l'enfance? Quel traumatisme? Enfin, Lucienne, arrêtez vos bêtises.
sentez? Quel traumatisme! Vous entendez la différence? Vous écorchez un mot sur deux, quand vous parlez on a besoin d'un interprète, et vous demandez quel chromaquisme! Vous gagnez de près plus attention! Bon, mon mari était commandant et qu'il est tombé du gâteau. Hein? Du bateau! Et depuis, je suis chromaquisée. Pour moi, la chose est évidente et tout est lié. Et je pense que sans le savoir, Madame Picard a un don pour la médiumnité. Ah non, 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 moi, que préfère que ce soit Hélène qui ait le don, moi, que ce soit Crépour ton don. Bon, Lucien, arrêtez de jouer les timorés, il y aura de la vie, Richard. Que veut dire que vaut mieux vous attendre au pire? Ah, facile à dire, le vôtre est déjà mort. Coustement, Ricard qui est comaki. Je crois qu'on est en train de la perdre, là. Ah, oui, oui, elle est beaucoup trop stressée, là. Oui, mais il faut qu'on avance. Lucienne. Calmez-vous. Lucienne, calmez-vous. Prenez une grande inspiration. C'est vrai, Lucien, calmez-vous. Vous voulez que je la gifle? Vous plaisantez? Non, non, moi c'est de cette façon que ma mère me calmait. Vous êtes une enfant de l'assistance? Pas du tout, de bonne famille. Bon, vous allez mieux? Oui, bien va mieux. Bon, est-ce que vous vous sentez prête à tenter une petite expérience avec moi? Oui. Bien va mieux. Bon, je ne vous force pas. C'est vous qui choisissez. Bien va mieux. Vous allez voir qu'elle va nous faire un blocage. Madame de Boyer, retirez-vous, vous stressez tout le monde. Oh, Madame Picard, vous permettez que je vous appelle Lucienne. Lucienne. Bon, Lucienne, si vous voulez. Non, vous pouvez m'appeler Lucienne. Bon, après la Lucienne, qu'on en finisse. C'est bien que j'ai dit. Donnez-moi vous. Lucienne, écoutez-moi attentivement. Vous n'écoutez que ma voix. Vous devez maintenir la force de votre dos pour vous tenir droit. Vous devez relâcher tout le reste. Maintenant, prenez conscience de la pièce qui vous entoure. Visualisez ce salon, l'immeuble. Respirez l'odeur. Il faut que vous preniez conscience de votre environnement. Respirez profondément. Et maintenant, vous allez peut-être ressentir quelque chose qui n'est pas censé être là. Un son, une tâche, une impression ou quelque chose de visuel. Il sent comme un poids sur mon école. Sur son étole, sur son épaule. Eh bien, que j'ai dit? Laissez-vous aller. Essayez de me remettre droite, mais il n'y arrive pas. Ne luttez pas. Je vois Steve. Je le vois s'approcher de vous. Il va tenter de rentrer en communication avec vous. Oh, mais que veut-il à la fin? Moi, ça fait peur. Non. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Lucienne, vous connaissez votre ex-mari. Vous vous êtes aimée. Vous savez qu'il ne veut que votre bien. Oui, mais j'ai peur quand même. Steve, si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment. Bon, il est calme, vous allez nous le faire fuir. Désolée, je panique. Steve, vous êtes là? Est issu le tuyau Turus, d'âge d'un minus sans hier Baldus. Steve, c'est vous? Est issu le tuyau Turus, d'âge d'un minus sans hier Baldus. Steve, je suis désolée, nous ne vous comprenons pas. Il va falloir être plus précis. Est issu le tuyau
Turus, d'âge d'un minus, sans hier Beltus. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est le tuyau du russe. Le tuyau du russe? Oui, ou quelque chose comme ça. Steve, vous m'entendez? Madame! Oh, Louise! Louise, vous allez me faire mourir! Je suis désolée, madame, mais monsieur Carpentier est rentré de la gare. Bon, mais qu'il rentre, mais sur la pointe des pieds. Lucienne, Lucienne, vous êtes toujours avec moi? Lucienne? Louise, il me faudrait du papier à dessin et un crayon. Oui, portez mon bloc à peinture qui se trouve dans le bureau de monsieur. D'accord, madame. Steve, vous êtes toujours avec moi? Essayez ici le tuyau d'Achaminus, un herbatus. On a pas perdu. Ai-je loupé quelque chose? On a réussi à récupérer plus tard. Ah, vous avez réussi à le repêcher dans le bloc de glace? Oh, mais non, ne dites pas de bêtises, c'est son esprit. Steve. Steve, qu'entendez-vous par Estéissu le tuyau turus? Estéissu le tuyau turus, l'Achtaminus, sans rien, Baldus. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle, rien, c'est Picard qui parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas. Ah, mais c'est normal, c'est la mâchoire, elle est congelée, il peut plus articuler. Aïe, aïe, aïe. Donnez mon bloc au médium. Ce que vous avez demandé. Merci. Je peux rester? Bon, écoutez, faites ce que vous voulez, mais restez silencieuse. Ce n'est pas une attraction des galeries Lafayette. Steve? Steve, vous êtes toujours avec nous? Steve, nous n'arrivons pas à nous comprendre. Steve, servez-vous de Lucienne. Écrivez ou dessiner quelque chose. Steve, je crois que nous l'avons perdu. Oh. Fleur, fleur, fleuriste. Voix, voix, voiture, garage. Gadage, mauvais. Lucienne, mauvais. Lucienne, vous allez bien? Que s'est-il passé? Lucienne, grâce à vous, nous avons pu rentrer en relation avec feu votre mari. Mais je ne me souviens plus de rien. Oui, c'est normal. Mais non, ça ne l'est pas. Ah, si. Vous voyez bien qu'elle s'exprime normalement. Elle ne nous a pas dit que ne nous convient de rien. C'est pourtant vrai. Oh, oh, mais Lucienne, c'est formidable. Hélène va vous comprendre sans effort. Plus de blocage. Plus de blocage. Lucienne, je pense que nous allons nous revoir. Vous avez vraiment des prédispositions pour la médiumnité. Enfin, pas pour le dessin, visiblement, parce qu'un enfant aurait mieux fait, non? Tout cela signifie forcément quelque chose. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Ces dessins sont l'œuvre de l'esprit de Steve Picard. Il y a donc forcément quelque chose qui s'y cache. C'est drôle, la balafre sur la joue droite. On dirait le portrait de l'homme qui a demandé une cigarette à monsieur juste avant qu'il ne disparaisse. Que racontez-vous, Louise? Vous avez vu Richard avec un balafré? Non, je ne l'ai pas réellement vu, mais c'est l'histoire que j'ai racontée à la police, mais que j'ai inventée. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Afin que la police fasse mieux son travail. Écoutez, mademoiselle, c'est très gentil à vous de vous soucier de la police. Non, ces dessins ne veulent justement rien dire et sont sans intérêt. Non. Non, il peut s'agir d'Yves d'Agadage, l'homme que j'ai rencontré à la cure à Aix-les-Bains. Oui, oui, vous avez en effet prononcé son nom, mais ensuite vous avez dit « mauvais ». Ce qui peut expliquer aussi la fleur. Yves d'Agadage possède de nombreux commerces, dont 3 boutiques de fleurs, rien qu'à Paris. Attendez, attendez, il ne possède pas aussi des garages, rue de la Fosse? Il en possède de nombreux, mais je ne sais pas en revanche s'il en possède un rue de la Fosse. J'en aurais le cœur net, je crois avoir qu'un... Vous vous souvenez, Hélène? C'est le nom du garage où j'avais laissé mon véhicule avant de venir chez vous.
Ah oui, bien sûr, les réparations n'étaient pas encore terminées et vous êtes venu chez moi avec la voiture du greffier. Eh bien voilà, carrosserie d'agadage. Il semblerait que tout nous ramène à cet homme. Un homme mauvais. N'oublions pas les mots de Steve Picard. Lucienne, votre mari veut vous protéger. Mieux. Mieux, il a assemblé les pièces d'un puzzle dont nous sommes tous les acteurs. Picard est un esprit supérieur jusqu'à entrer dans l'imagination de Louise. Et pour mon mari, trouvez Dagadage et vous retrouverez votre mari. Monsieur le vice-procureur, tout le mérite vous revient, inspecteur. Vous avez su appréhender les ravisseurs avec une telle efficacité, rue de la Fosse. La carrosserie, c'était qu'une façade. Hein. Comme qui dirait, un repère d'extrémistes. Dagadage a même eu le culot de dire qu'il était innocent, que c'était une erreur policière et qu'il n'était pas coupable. Eh bien, vous verrez que la guillotine vous dirait qu'il est coupable. Quand il n'aura plus de tête, il n'y aura plus de doute. Écoutez, messieurs, il m'étonnerait qu'on arrive à de telles extrémités. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de rançon. Non, je pense qu'il finira sa vie derrière les barreaux, ou peut-être dans une prison pénitentiaire à Belle-Île-en-Mer. C'est vous qui avez accompagné le député ? Oui, oui, il était sonné, affecté. Il est dans sa chambre avec son épouse. Bon, eh bien, nous, on va y aller. C'est pas tout ça, c'est qu'on a des rapports à finir et d'autres enquêtes à terminer. Vous saluerez Madame Deboyer pour nous. Bien sûr. On va peut-être même commencer par ce rapport-là, chef. Et je peux te dire que c'est toi qui vas t'y coller, Pilier. Mais pourquoi moi, chef ? Parce que tu n'es qu'un inspecteur stagiaire. Et je te rappelle qu'un stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel, au cours de laquelle le stagiaire acquiert des compétences professionnelles et en met en œuvre les acquis de la formation afin d'obtenir un diplôme ou une certification. Vous avez vu, chef ? Ils ont toujours pas fait réparer le téléphone. Ouais, c'est ça, tu n'as qu'à quitter la police et travailler à la poste. Monsieur le vice-procureur. Inspecteur. Non, mais vous n'y pensez pas, chef. À la poste, faut se prendre la tête. Le fil bleu avec le fil bleu, le fil rouge avec le fil rouge. Oui, c'est bon. C'est un vrai casse-tête, quoi. Bon, Billy, au rapport. Allez, Billy. Allez, bon, rapport. Oui, au rapport. Je lui ai donné des calmants, il vient de s'endormir. C'est une rude épreuve, j'imagine. Oui, pour nous tous. Oui, pour nous tous. Hélène... Non, ne dites rien, Hubert. Il y aurait trop à dire. Vous savez bien que cela ne me fait pas peur. Je sais très bien me taire avec les imbéciles, mais vous savez que je peux être brillant avec les autres. J'aime votre esprit plus que le reste, vous le savez bien. Alors restons amants. Restons amis, c'est plus sûr. Vous sortez de la vie des gens avec une telle rapidité. Oh, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous savez combien je vous ai de grandes obligations. Hélène, si vous désapprouvez ma conduite, du moins agréerez-vous que je vous dise combien j'ai de peine de vous perdre. Soyez réaliste, Hubert. Cette expérience nous a montré que personne n'entrait dans nos vies par hasard. Et que même si certaines personnes ne sont pas faites pour y rester, elles n'en sont pas seulement moins précieuses puisqu'elles y ont forcément un rôle à jouer. Vous m'avez redonné un mari et je vous en remercie. J'ai maintenant la preuve, au plus profond de moi, que nous sommes tous liés. Et j'aurai l'impression de n'avoir reçu aucune leçon de vie si je continuais à vivre comme avant. Je vous sais gré, madame, pour ce gentil rappel à l'ordre. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur vous. Et vous pouvez, madame, compter sans compter. Les moutons, c'est certain. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à fermer l'œil de la nuit. Comme je vous comprends, j'ai sans cesse l'impression d'être surveillée.
savoir vivre avec, être attentif aux signes. Vous croyez que l'on veille sur nous? Qui sait? Vous avez fait réparer le téléphone? Non. Vous n'avez pas fait réparer le téléphone? Non. Le téléphone n'a pas été réparé. Vous aurez beau tourner la phrase dans tous les sens, ma réponse restera inchangée. Non. Mais alors, c'est LE signe qui risque de nous hanter jusqu'à la fin de nos jours. Ça alors, Hélène, il y a des fantômes jusqu'en dans les câbles des téléphones. Profitons-en. On se fait tourner le petit guéridon. Le petit guéridon? En tête à tête. Vous voulez dire en tête à pompe? Oh, vous voyez? Vous faites encore du mauvais esprit. A décidé de tirer sa révérence. Je fais un vœu que ce soit un au revoir et non un adieu. Et comme il est de tradition au théâtre, pour remercier et pour faire déférence, Madame Révérence. Comme si de rien n'était, le spectacle est gratuit, sera offert par la municipalité, donc deux raisons pour y aller. Et puis on se retrouve sinon au mois de mai pour notre prochaine création qui s'intitulera
C'est pourquoi la pièce n'est pas encore écrite. La garçonnière, bien sûr. Théâtralement vôtre, bonsoir.